Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet important et quel était l'entretien de votre pompe à chaleur. Commencez cet entretien par l'unité intérieure de votre pompe à chaleur. Commencez par chercher les filtres. Est-ce que vous y avez accès facilement? Si vous pouvez les retirer, retirez-les. Sinon, n'insistez pas, vous ferez appel à un professionnel, c'est préférable. Donc, si vous avez pu retirer vos filtres, vous pouvez ensuite les dépoussiérer avec un aspirateur ou alors les nettoyer avec de l'eau claire. Bien sûr, avant de les remonter, pensez à les sécher avec un chiffon. Passons maintenant à l'entretien extérieur de votre pompe à chaleur. Cherchez votre unité extérieure et regardez autour. Vous avez peut-être remarqué des feuilles mortes, des herbes. Ceux-ci volent. Le problème quand ça vole, les herbes ou les feuilles mortes, c'est que ça a tendance à s'installer dans votre pompe à chaleur et donc à en réduire la performance. Pensez à bien nettoyer les abords, ça vous permettra d'avoir une meilleure performance énergétique et de réduire votre facture. Entretenir vos équipements, c'est pas toujours évident. On en a conscience chez Qualitel. Et pour vous aider, on a créé des checklists. Il y en a une justement dédiée à l'entretien de vos équipements comme la pompe à chaleur, la hotte ou d'autres équipements chez vous. Pour en savoir plus et pour vous faciliter la vie, on vous propose d'aller directement sur notre site et de les télécharger. Le lien est dans la bio de notre profil, n'hésitez pas, on peut aussi répondre à vos questions en commentaire. À très vite pour un autre décryptage!